va mieux ce matin? Oh, ça se dit pas. D'avoir pu flâner comme ça au lit, et puis de savoir que je peux rester chez nous bien tranquille alors que je devrais être à la boulangerie, c'est comme si on m'enlevait un gros poids de ses épaules. Oh, ma pauvre Berthe avait bien de la peine de te voir dans cet état-là hier. Oh. Elle se sentait même coupable. Oh, pauvre petite fille, elle devrait pas. Elle est pour rien dans cette envie de pleurer qui m'a pognée juste comme je faisais le levain. Mais as-tu déjà vu ça, toi? Avoir le goût de pleurer puis de pas être capable de se retenir. Oh, puis quelque temps, il me pogne des goûts de bleu, là, sans vraie raison. Oh, ça doit être le contre-coup de la secousse que Laurent nous a fait passer, là, il y a quelque temps. Après une bonne journée au chaud, là, je pense que je vais être bien replombé. Mais, sais-tu ce qu'il faudrait? Que Laurent y trouve un boulanger, un vrai boulanger. Pour ça, t'as bien raison. Hein? Ça remettrait tout en place. Ouais. Puis moi, je retrouverais ma bonne petite job avec Berthe, là. C'est juste ça qu'il me fallait. Ça me fait rien d'y perdre au salaire. Bon, mais je vais me faire une bonne dose de thé, hein. Parce que pour manger, je pense que je suis aussi bien d'attendre à cette heure, hein. Oh là là. Oh, oh Jeanne! Ouais. C'est aujourd'hui la fête à Jean-François? Oui, mais fais-toi pas de soucis, hein? On va le fêter avec Martin en fin de semaine. Oh. Puis ça tombe bien. Georges vient faire un tour avec sa femme et les enfants. Oh. On va faire un beau repas de famille. Ah, oh, ben j'aime mieux ça, ça va me donner le temps d'y voir, hein? Hey, Jean-François, c'est 28 ans, mais Martin, c'est Yvan, c'est 21 qu'il va avoir. Oh, c'est 21 ans. Mon Dieu, qu'ils donc pas en avance ces autres, celui-là. Puis je me demande qu'est-ce qu'il y a à traîner derrière tout le monde. Il n'a pas encore perdu sa job à cimenterie. Ah ben non, heureusement. Mmh. Oh, puis je suis assez contente. Imagine-toi donc qu'il a payé la moitié de ses dettes à son père. Oh. Il me semble qu'il aurait pu faire mieux dans la vie que d'être camionneur. Bon, du moment que ça paye bien. Puis camionneur, c'est un beau métier, tu sais. Bien sûr. Oh, Jeanne, tu peux pas savoir comme je me sens. Je suis à terre, j'ai pas de pep. Oh! Regarde-moi donc. Hmm? Tu recommencerais pas ton retour d'âge? C'est bien possible. C'est ça que je me demande. Ça a bien du bon sens. Je vais te prendre un rendez-vous chez le docteur. Laisse faire ça, je suis pas malade. Fais pas ton bébé, là. De nos jours, il faut se faire aider quand on en arrive là. C'est pas aussi désagréable qu'à l'époque de nos mères. Tiens, prends-moi. Je m'en suis quasiment pas ressentie de mon retour d'âge. Hein? Ça s'est passé, personne ne s'en est aperçu. Même pas moi. C'est vrai? Puis rappelle-toi, maman, c'était tout le contraire. Hein? Elle devenait rouge, violette. Puis au repas, elle avait des gros maux de tête. Elle disait que la tête fendait. Ouais. Puis c'est à compter de ce moment-là que son caractère a changé. Ouais, c'est vrai. OK. Allez le voir, ton docteur. Oh, hey, Jeanne, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider aujourd'hui? Eh, que t'es donc tannante. Tu peux pas rester sans rien faire, hein? Ben non. Ben alors, continue la courte pointe que t'as commencée après les fêtes. Je t'aiderai plus tard. Ah, c'est une bonne idée, ça. Surtout si je veux qu'elle soit finie pour le mariage à Jean-François. C'est drôle, ce que Pierrette n'est pas encore appelé. Hein? Ben, si elle ne téléphone pas un matin, tu la rappelleras. On a peut-être oublié de faire le message. Lina parle encore d'aller rester à Joliette. Il faut faire quelque chose. Peut-être que notre nièce pourrait y parler. Pierrette pourra rien de plus que toi ou moi, mon pauvre Jonas. Lina est pas spéciale dans cette idée-là. Les jeunes veulent tous aller vivre leur vie. En tout cas, il y en a bien. Puis c'est pas rien que des dévergondés pour autant. C'est elle. Allô? Pierrette? Ben, ça fait bien plaisir que t'appelles. Ben Lena puis moi, on a un conseil à te demander. Oui, quelque chose de bien grave puis de bien urgent. Voyons, Jonas, tu vas l'énerver. C'est pas si urgent que ça. Ben, t'attends, on dit que c'est pas urgent, mais moi, je dis que des affaires de même, il faut éclairer ça au plus vite. Sans ça, la vie est plus pareille, hein?
À soir? Oui. Ben, sais-tu, j'aimerais mieux pas chez nous. Ben, je voudrais pas que les enfants pensent qu'on se cache pour te parler. Hein. J'ai une idée. Pourquoi pas chez ton papa? T'as l'auto? Ben, correct. Bon, ben c'est ça. Alors là, je vais appeler son père pour lui demander. Alors, si je te rappelle pas, ça veut dire que ça marche. À 7 heures ce soir. OK. T'es bien fine. T'es bien fine, Manette. À tout à l'heure. C'est une bonne idée d'aller chez ton père. Là, on sera tranquille. C'est mieux qu'on le mette au courant, lui aussi. Huit ans déjà. Et que la vie passe donc vite, hein? Ouais, puis je suis pas trop en avance. À 28 ans, c'est pas jeune pour s'établir. Parle donc pas comme ça, c'est pas juste. Tu portes pas à zéro. Une fois marié, tu vas t'installer bien confortablement, avec un beau lot de terre, une porcherie. Pas pour ça, tous les deux, on a de l'équipement bien moderne, hein? Ah, c'est bien vrai. Fais pas pitié, pantoute. Et bien sûr, je le vois, toutes ces années-là de travail sont pas perdues. Non, dans le fond, je suis bien privilégié. Prends ton oncle Jonas. Hein? Lui aurait pu se décourager. Il est revenu du lac Saint-Jean, 30 ans bien sonné. Puis avec quelques économies, de quoi s'acheter une terre. Ton père l'a aidé. Mais il pouvait pas s'attendre à avoir un bien gros roulant avant un bon bout de temps. Vous savez que le plus simple, c'était de se tourner bien juste vers l'agriculture. C'est ce qu'il a fait. Alors, au début, ça a été dur. Éléonore cousait pour l'aider. Moi, j'y prêtais de la machinerie pour faire sa terre. Puis petit à petit, ben, au bout d'un certain temps, ça s'est mis à donner du 100%. Mais je t'ai dit qu'il a travaillé dur, cet homme-là. Pourtant, je l'ai toujours vu avec le sourire. Ben, il était du bord de la mer, lui. Réal puis moi était plutôt du bord du père. Des pas trop parleux, des joncs bleus. Ouais, ben moi, je pense que je suis de ce bord-là et tout. Mm. Alors, je peux croire qu'en vieillissant, on change un brin. Parce que papa, à cette heure, on peut pas dire qu'il aime pas jaser, hein? Ouais. Ah, ouais, Jean-François, pour des hommes comme nous autres, il nous faut des bonnes femmes qui nous comprennent. Parce que on n'est pas facile tous les jours. Mm. En tout cas, c'est ta fête. Puis je peux te dire que je suis bien fier de toi, mon garçon. Puis je suis content de voir que sur mes 8 enfants, il y en a une solide pour prendre la terre. J'en ai trop vu les vieux là, qui étaient rendus à la retraite. Ils étaient obligés de tout vendre, de tout quitter, s'en aller vivre dans une maison de vieux, loin de où ce qui était né. La plus belle courte pointe que j'ai faite dans ma vie est encore au grenier dans mon coffre d'espérance. Je la donnerai à Annick quand elle sera en amour. Annick? Je pense pas qu'elle pense à ça trop. Je sais qu'elle est en retard chez les autres, celle-là. C'est rien d'autre pour un beau jour, ça va bien apprendre. Bon, bien que je tiens pas à ce qu'elle se marie trop tôt. Mais voyons donc, tu sais bien que les jeunes, ça se marie plus. Mmh. Hé, Jeanne, te souviens-tu du grand Fernand qui m'avait fréquenté pendant un an et demi? Fernand? J'ai jamais compris pourquoi il m'avait laissé. Mais voyons, il est parti travailler à Trois-Rivières. Ben, cette affaire, j'aurais pu partir avec lui. Mmh. La première chose que j'ai su, c'était marier là-bas. C'est drôle, hein, ça. Les hommes, ils sortaient jamais plus qu'une fois ou deux avec moi. J'étais pourtant pas plus laide que toi, ben, deux autres. Mais non, bien sûr. Tu sauras jamais, Jeanne, comme c'est triste de mourir vieille fille. Non, pas comme ça. À cette heure, j'envie les jeunes d'aujourd'hui qui se font pas trop de soucis, qui prennent le temps de vivre pendant que c'est le temps. C'est Marthe.
Pas se fier aux apparences. Je pense pas que les jeunes soient plus heureux qu'on l'était. Des fois, je me demande si ça leur prend pas plus de choses que nous autres pour les contenter. Ouais. Mais au moins, eux autres, ils se sentent libres. J'ai jamais connu ça, moi, la liberté. J'ai toujours eu peur de quelque chose. Peur, toi? Eh oui. T'as jamais été une peureuse, voyons. Mais quand je dis comme ça, je veux pas dire avoir peur des fantômes, des loups-garous, ben des voleurs. Non, j'avais peur du péché en être malade. Ben, tu parles d'une surprise. Elle n'est pas avec toi? Ah, ben non, elle avait des journaux, puis tu t'as pas apporté à papa. Ah! Je suis venue pour embrasser mon Jean-François pour sa fête. Mais t'attends pas qu'on le fête? T'attends pas qu'on le fête dimanche? Ah, ben j'ai d'autres cadeaux pour dimanche. Ben dans ce cas-là, tu vas rester à souper avec nous autres, hein? Ah, ben ça me fait plaisir. Qu'est-ce qu'on fait là, dans ce matou? Tu es en congé? Oh, parle-moi-en pas, ma pauvre petite fille. Hier, j'ai fait tout un show à la boulangerie. Je me suis mis à chialer comme un veau. Puis comme je faisais le vin, puis que c'était déjà salé, valait mieux que j'arrête, hein? Vous êtes pas malade? C'est pas grave. C'est juste un petit peu de fatigue. Je suis venue aussi pour vous parler, ma vraie. Écoute, Elisabeth, dans quelque temps, tu vas presque être ma fille. Tu n'as pas d'allure que tu continues à dire à Mme Jacquemin. Appelle-moi donc Jeanne, tout simplement. J'aurais pas osé vous le demander, mais c'est comme ça que j'aimerais mieux vous appeler. Jeanne, comme je dirais à une amie. Bon, c'est entendu, ma fille. Ça va me faire bien plaisir. Ça équivaut à me dire que tu m'aimes bien. C'est justement ça. En tout cas, Tante Matou, elle s'est démenée en pas pour rire quand elle m'a vu arriver. Je sais pas ce qu'elle cachait qui traînait par-ci, par-là. Ah, ben c'est parce que... De... Aussi bien te le dire, elle travaillait avec à votre cadeau de noces. Non. Oh! D'après le peu que j'ai vu, ça avait l'air bien beau. Je pense que je vais être bien chanceuse. Hein? Je suis bien contente. Donne-moi ton manteau, ma fille. Pour en revenir à ma demande, Jeanne, si un de ces soirs, vous aviez du temps, j'aimerais ça que vous mettiez au courant des comptes et des paiements à faire pour Jean-François, que je commence à devenir son comptable, puis ça vous ferait ça de moi à faire. Oh, c'est drôle, j'y ai pensé. J'ai même commencé à mettre de l'ordre dans nos affaires, puis dans celles de Jean-François. Puis si tu veux me donner un petit peu de temps, là, je vais pouvoir t'expliquer tout ça bien clair. Ben, c'est parfait. Ce sera pas un gros apprentissage pour toi, vu que t'es comptable de ton métier. Enfin, je veux dire, tu te débrouilles pas mal dans les chiffres, hein? Ah, oh, ben oui, oh, ça. Tandis que moi, je te jure que ça m'a donné des maux de tête, hein? Parce que je devais tenir les livres de ton beau-père puis ceux de pépère. Je te jure, c'était un joli micmac. Oh, mais ça fait quand même pas mal longtemps, là, que tout est démicmaqué, tu sais. Oh, ça fait pas si longtemps que ça. Hein? Ça s'est vraiment démicmaqué, là. Quand Pépère s'est décidé à changer les papiers, ben à l'automne. Ouais. Ah oui. Vous allez rire, hein? Mm. Ben c'est à compter de ce moment-là que moi, je me suis sentie la plus mélangée. Ça sent bon. J'ai fait des tartes pour en apporter une à Pépère. Sais-tu, ce sera pas facile, là, notre réunion, là, avec Pierrette, à soir, chez son père. Les autres vont bien se demander ce qui se passe. T'as bien raison. J'y pensais, moi aussi. Puis, si tu voulais, on demanderait à Jeanne et Antoine de venir nous rejoindre chez ton père. On leur dirait tout. Jeanne sait déjà. Qu'est-ce que tu dis? Ça fait des années que j'y ai tout raconté. Ben oui, mais tu me l'as pas fait savoir. J'avais peur que tu me grondes, que tu me dises que les femmes, ça s'est même pas gardé un secret. Mais je suis sûre que Jeanne en a jamais parlé à personne, pas même à Antoine. Dernièrement, j'y ai touché un mot de nos ennuis. Ben, sais-tu, ça a du bon sens, ce que tu dis. On va tout leur compter à eux autres ici, puis à son père. C'est du monde bien intelligent, puis ils vont être de bons conseils. Comme ça, t'en as parlé à Jeanne.
Ouais, ça a pas de bon sens, Jeanne. T'as tout fait ça tout seul. Oh, voyons. Puis moi là-dedans. Oh, c'est vrai, excuse-moi. Mais t'as arrêté de rechigner. Profite de ta journée de congé. Tu vas au cinéma, c'est parfait, ça. C'est pas si souvent que les jeunes te font une invitation. Profites-en. Ben, c'est justement. C'est quand Annick et Elisabeth se sont mises après moi, j'ai pas été capable de refuser. Ah, c'est parfait, ça. Bon, ben, coudonc. Au revoir, vous autres. Bonne soirée, Emma. Amuse-toi bien. Ouais. Oh, j'ai eu assez peur qu'elle parte pas. Mmh. Ça tombe bien, cette sortie-là, hein? Sais-tu que ça m'intrigue, cette réunion-là, chez Papyr? Avec notre fille, à part ça, qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans avec Jonas et Eleana? Ouais, c'est curieux. Hein? Je me demande qui c'est qui arrive le premier. Ah, ben c'est notre fille! Oh! C'était... On l'a pas vu depuis le jour de l'an, notre Pierrette, hein? Ah! Allô, allô papa! Ah, oh, ben! T'as du bon jeu! Tu viens pas nous voir souvent de ce temps-ci, pas? Ah, ben c'est vrai, même que je m'ennuie. Puis, justement, papa, ça me chicote assez, mais j'ai un beau projet dont je vous parlerai un peu plus tard. Hein? Mon oncle et ma tante sont pas arrivés? Non, mais ils devraient pas retarder. Il y aurait pas un petit reste de quelque chose? Je sais pas. Mais. Qu'est-ce? Dis donc. On ne te donne pas à manger au couvent? Alors, j'ai pas fait du tout, maman. Ben alors? J'ai envie de quelque chose que vous auriez fait. J'ai le goût de la nourriture de chez nous. C'est un conseil de famille, en quelque sorte. C'est en plein, ça. Jonas et moi, on a un gros problème qui vient de bien loin. Puis on sait pas comment en venir à bout. Dans le temps, on avait pensé à simplifier les choses, mais je pense que c'est le contraire. Mais ça serait-tu des affaires qui vont pas à ton goût, Jonas? Ah, le temps, tu me disais que c'est une de tes meilleures années. C'est pas une question d'affaires. C'est pas une question de gros sous, non? Ben, heureusement, parce que j'aurais pas été d'un grand secours, mon pauvre oncle. J'ai dû faire des chiffres dans le temps, mais je les ai oubliés aussi vite que j'ai pu. Mais qu'est-ce qu'il y a qui va pas, Jonas? Ben, c'est rapport à nos snoraux d'enfants. Oh. Ils peuvent plus vivre ensemble. Ben. Ils saillissent quasiment. Toi, t'as connu l'histoire de nos petits, hein, Jeanne? Eh bien, Michel, il veut pas admettre que Lina ait part égale avec lui chez nous dans la vie. Il parle même d'héritage. Puis la petite est assez tannée de se faire rappeler qu'il n'y a rien que la fille adoptive que... Elle veut aller travailler l'automne prochain, puis vive à Joliette. C'est curieux. Ben oui. Mais tu sais des choses que je sais pas. Pas enfin, ben, moi non plus, hein? Éléonore m'avait demandé le secret. Ouais. C'est vrai que comme femme, t'es pas bavasseuse, toi. Mon grand-papa, mais c'est de la ségrégation que vous faites là, là. Je connais bien des hommes qui palabrent pas mal plus que des femmes, hein? Mais... Commençons par le commencement, là. C'est depuis quand, cette attitude de Michel? Oh, le petit avait 8 ans quand on a adopté Lina. Mm. Il est d'un caractère jaloux, c'est certain. Puis je l'ai trop gâté. Alors, le garçon a jamais pardonné à la petite d'avoir pris sa place. Ouais. Mais l'histoire, là, commence vraiment quand on s'est marié, Léonard puis moi, à Jonquière. Mm. Ben, t'avais été 10 ans loin de chez nous, là. Ah oui, 11 ans juste. Alors, on s'est marié en 46. Léonore est allée rester chez ses parents. Moi, je suis allé faire chantier au lac Saint-Jean. Ben, un bon printemps, ben, j'en avais assez du bois. Je me suis dit, faut que je me trouve une job. Je vais aller vivre auprès de ma femme. Ben, c'est là que je me suis fait engager sur le plan Arvida. Puis moi aussi, j'ai trouvé du travail tout de suite. Alors, on s'est loué une petite maison. Ouais. Mais au bout de 3 ans, j'étais bien malade. On m'a transportée d'urgence à l'hôpital de Chicoutimi. Ouais, j'ai bien failli la perdre, Malonaro. Le bon Dieu me l'a gardé, mais... Oh.
contente que t'aies pu venir. J'ai demandé congé pour l'après-midi. Comment tu te sens? Oh, je me sens bien. Mais c'est tellement terrible, Jonas! Pleure pas, non, tu vas me faire chialer. Tellement. Faut garder tout notre courage. On reste tous les deux et on s'aime. Mais veux-tu bien te taire? Dire des affaires folles de même. On dirait que tu m'aimes pas, mais vas-tu tout seul dans la vie? Plus tard, tu te serais remarié. Mais sais-tu, j'ai remercié le bon Dieu qui m'a gardé ma femme. Puis je vivrai jamais assez vieux pour le remercier toute ma vie. Mais tu vas voir, on va être encore heureux. Si on veut, on adopte un petit. En attendant, on va travailler, on va économiser. Puis un bon jour, on retournera à Sainte-Marie-des-Anges, dans ma famille. Tu vois, tout le monde va t'aimer. Elle a dit que notre peine là, me portait à vouloir revenir parmi vous autres, à Sainte-Marie-des-Anges, dans ma famille, sur la tête. C'est vrai. On était bien d'accord tous les deux. Elle était prête à me suivre, Malano. Comme ça, si je comprends bien, Éléonore, tu avais été opérée, tu pouvais plus avoir d'enfant et... Michel ne se trouve pas plus à être votre fils que Lina? Ben non.